Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent peut-être à l'instant où nous allons suivre depuis la basilique Saint-Pierre au Vatican la messe présidée par le pape François en ce 12 décembre, jour de la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. Nous entrons dans cette célébration avec la procession au chant du Salve Sancta Parens. Nous vous saluons, Sainte Mère de Dieu, car vous avez donné naissance au roi qui gouverne le ciel et la terre dans les siècles des siècles. Rappelons que c'est la troisième année consécutive que le Saint-Père célèbre une messe en l'honneur de la patronne de l'Amérique latine et des Philippines, fêtée donc aujourd'hui par des catholiques du monde entier, Notre-Dame de Guadeloupe, à laquelle, rappelons-le, le pape François voue une grande dévotion. Voilà le chant annoncé, Salve Sancta Parens, nous vous saluons, Sainte Mère de Dieu. Après le chant d'entrée et la procession, donc avec ces chants en langue indigène, qui en l'honneur de la Sainte Patronne de l'Amérique latine et de l'impératrice du continent américain, eh bien, va nourrir cette célébration avec plusieurs chants en langue indigène. L'hymne, bien sûr, dédié à la Vierge de Guadeloupe, et d'autres chants anciens également, en langue quechua, en nahuatl, et puis en guarani, en mapuche.
Au nom du Père, et de l'Hijo et de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos. Prions. Dieu Père de miséricorde, qui a placé ton peuple sous la protection spéciale de la Vierge Marie de Guadeloupe, Mère de ton Fils, concède-nous par son intercession d'approfondir notre foi sur les chemins de justice et de paix, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, nous allons entrer dans la liturgie de la parole de cette célébration. Vous avez entendu le chant du Gloria, puisque cette fête de Notre-Dame de Guadeloupe est une mémoire facultative pour l'Église universelle, mais le 12 décembre est une solennité propre au Mexique, une fête pour l'Argentine, le Chili, Haïti, les États-Unis et le Canada. De la carta de l'apostle San Pablo a los Galatas. De la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Hermanos, frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Le psaume responsorial, le psaume 66 avec l'antienne « Que tous les peuples te louent, Seigneur, que te louent tous les peuples. » Que te alaben, Señor, todos los pueblos, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque riges al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le ríe.
digna honor al mundo entero. Y te alabe el Señor, todos los pueblos, todos los L'acclamation de l'Évangile du Magnificat, évidemment. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et puis vous l'aurez saisi, bien sûr, en cette fête, particularité de cette célébration qui se fait presque exclusivement en langue espagnole. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. De l'Évangile selon Saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors : Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feliz de ti porque has creído. Con estas palabras. Bienheureuse celle qui a cru. Avec cette parole, Élisabeth rejoint la présence de Marie dans sa maison. Ce sont des paroles qui naissent de son cœur, de ses entrailles. Paroles qui réussissent à faire résonner tout ce qu'elle a expérimenté avec la visite de sa cousine. À peine son salut est arrivé à ses oreilles que l'enfant sursauter de joie dans son sein, et bienheureuse celle qui a cru. Dieu nous rend visite dans les entrailles d'une femme en remuant ses entrailles avec un chant de bénédiction et de louange et de joie. La scène évangélique porte en soi le dynamisme de la visite de Dieu. Quand Dieu vient à notre rencontre, il bouge nos entrailles, il met en mouvement ce que nous sommes jusqu'à transformer toute notre vie en une louange et une bénédiction. Quand Dieu nous visite, il nous laisse inquiets, mais d'une sainte inquiétude de ceux qui se sentent invités à annoncer que Dieu vit. Que Dieu vit et qu'il est au milieu de son peuple. Ainsi, nous le voyons en Marie, la première disciple et missionnaire, la nouvelle arche d'alliance qui, loin de rester dans un lieu réservé de nos temples, elle sort visiter sa cousine et sa présence manifeste la gestation de Saint Jean-Baptiste. C'est ainsi qu'elle fit
aussi en 1531. Elle est venue à Tepeyac pour servir et accompagner le peuple qui était en gestation dans la douleur en devenant sa mère et mère de tous les peuples. Avec Elisabeth, même nous, aujourd'hui, nous voulons la bénir et la saluer en disant « Bienheureux celle qui a cru et qui continue à croire en l'accomplissement de ce que le Seigneur lui a annoncé. » Marie est ainsi comme l'icône du disciple, de la femme croyante, priante, qui sait accompagner et encourager notre foi et notre espérance dans les diverses étapes que nous devons traverser. En Marie, nous avons le fidèle reflet, non pas d'une foi poétiquement édulcorée, mais d'une foi forte et surtout à une époque dans laquelle s'entrechoquent les douces incantations des choses et où les contradictions entrent en conflit n'importe où. Et certainement, nous devrons apprendre de cette foi forte et serviable qui caractérise notre mère. Nous devons apprendre de cette foi qu'elle s'est entrée dans l'histoire pour être celle et lumière de nos vies et dans la société. La société que nous sommes en train de construire pour nos enfants est toujours plus marquée par des signes de division et de fragmentation, en laissant hors jeu tant de personnes, spécialement ceux qui ont des difficultés à avoir le minimum indispensable pour vivre avec dignité. Une société dans laquelle on se plaît à se vanter de ses progrès scientifiques et technologiques, mais qui est devenue aveugle et insensible devant des milliers de visages qui restent à l'arrière du chemin, exclus par l'orgueil aveuglant de quelques-uns. Une société qui finit à créer une culture de désillusion, de désenchantement et qui profite à tant d'autres personnes, mais aussi de l'angoisse de tant d'autres personnes qui expérimentent la difficulté de rester sur le chemin. Il semblerait que sans s'en rendre compte, nous sommes habitués à vivre dans la société de la méfiance, avec tout ce que cela comporte pour notre présent et spécialement pour notre futur. Méfiance qui peu à peu génère des états d'indolence et de dispersion. Combien il est difficile de se vanter de la société du bien-être quand nous voyons que notre cher continent américain s'est habitué à voir des milliers et des milliers d'enfants, de jeunes, dans la rue, qui mendient et dorment dans les stations de train, dans les souterrains des métropoles, et où ils ont du mal à trouver une place. Enfants et jeunes dont on profite par des travaux clandestins et qui sont contraints à trouver une monnaie au croisement des routes en nettoyant des pare-brises, des voitures, et qui sont contraints dans le train de la vie, là où il n'y a pas de place pour eux. Combien de familles sont marquées par la douleur et qui sont victimes du marché de la mort. C'est vraiment dur. Il est dur de voir combien nous avons normalisé l'exclusion des personnes âgées en les obligeant à vivre dans la solitude, simplement parce qu'ils ne sont pas productifs. Ou voir comme
l'ont bien dit les évêques à Aparecida, la situation précaire que frappe la dignité des femmes. Aucune jeune fille ou adolescente ne sont soumises à autant de formes de violence à l'intérieur et à l'extérieur de leur maison. Ce sont des situations qui peuvent nous paralyser, qui peuvent nous faire douter et particulièrement mettre en doute notre foi, spécialement dans notre espérance, dans notre manière de regarder et affronter le futur. Devant toutes ces situations, nous devons dire avec Elisabeth, bienheureuse es-tu. Bienheureuse celle qui a cru. Et nous devons apprendre cette foi forte et serviable qui l'a caractérisée et caractérise notre mère. Célébrer Marie est en premier lieu faire mémoire de la mère, faire mémoire que nous ne sommes et nous ne serons jamais un peuple orphelin. Nous avons une mère. Et là où se trouve la mère, il y a toujours la présence et la saveur de la maison. Là où se trouve la mère, les frères peuvent se quereller, mais ce sera toujours dans un sens de l'unité, et le sens de l'unité qui triomphera. Là où est la mère, il ne manquera pas la lutte en faveur de la fraternité. Cela m'a toujours impressionné de voir les divers peuples d'Amérique latine, de voir toutes ces mères qui luttent souvent seules pour que leurs propres enfants puissent avancer dans la vie. Mujer luchadora frente a la sociedad de la desconfianza y de la ceguera. Ainsi est Sainte Marie avec nous, ses enfants. C'est une femme qui lutte face à la société de la méfiance, face à la société de l'aveuglement, face à la société de l'indolence et de la dispersion. C'est une femme qui lutte pour renforcer la joie de l'Évangile. Elle lutte pour donner la chair à l'Évangile. Regardez la Guadeloupéenne, Sainte Marie, c'est se rappeler que la visite du Seigneur passe toujours à travers ceux qui risquent à incarner sa parole, qui cherchent à incarner la vie de Dieu dans ses propres entrailles, en devenant signe vivant de sa miséricorde. Célébrer la mémoire de Marie, c'est affirmer contre tout pronostic que dans le cœur et dans la vie de nos peuples bat un fort sens d'espérance malgré les conditions de vie qui semblent voiler l'espérance. Marie, parce qu'elle a cru, a aimé. Parce qu'elle est servante du Seigneur, elle est servante de ses frères. Célébrer la mémoire de Marie, c'est célébrer que nous, comme elle, nous sommes invités à sortir et aller à la rencontre des autres avec son regard même, avec ses propres entrailles de miséricorde, avec ses propres gestes. La contempler est une invitation à imiter sa foi. Sa présence nous porte à la réconciliation en nous donnant la force pour générer des liens dans notre terre latino-américaine. En disant oui à la vie et non à tout type d'indifférence et d'exclusion et de rejet des peuples et des personnes, nous pourrons aller en avant. Et n'ayons pas peur de sortir vers les autres avec son même regard. C'est un regard qui fait de nous des frères. Nous le faisons parce que, comme Juan Diego, nous sachions que là où il y a notre mère, nous sachions que nous sommes sous sa protection et sous son ombre. Elle est notre source et notre joie, que nous soyons entre ses bras. Donne-nous la paix et le pain. Un pan que alcance a todos
du pain qui suffise à tout le monde et donne-nous la foi. Amen.